Oh, bonjour et bienvenue à mon let's play de Youminiki ou le journal des rêves en français. Aujourd'hui, nous allons trouver encore des nouveaux effets pour bientôt finir le jeu. Bah, allons dormir. Allons prendre la bicyclette. On va commencer par le monde des néons. Sauf c'est bizarre, parce que le chien, je pouvais marcher dessus. Et lui, je ne peux pas. Enfin bon. Néon. Ça change en néon. Et oui, je peux changer les couleurs. La porte d'entrée. Je trouve plus la porte d'entrée. Pourtant c'était par ici. Ah, là. Ok. Ici je me trompe pas, c'est cette porte là. Ok. Il faut aller par ici. Si c'était par là, alors ça c'est par ici, si je me trompe pas. Oh, parce que je sais pas, c'est le seul monde que je me souviens pas par cœur. Fait que je suis pas sûr que je suis dans le bon chemin. Ou je suis dans le bon chemin, je sais pas trop. On va voir, je pense que c'est dans le bon chemin. Ah oui, j'ai trouvé. Chapeau et écharpe. Ok, je vais vous montrer ce que ça peut faire. Ça peut rien faire. Enfin bon. Dame d'amour de... Et on va aller retourner. Non, ici. Je sens ça. Non. Mais voyons. Ok, si, si. Il me suit. C'est spécial. Ouais, j'ai perdu mon chemin. En tout cas, on va par là. Je sais que c'est par là.
Ouais, elle était là. Nous voilà. Je peux vous montrer un truc amusant dans ce monde-là. Ou... je peux le remontrer... plus tard. En tout cas... c'est un secret, là. Mais je vais le remontrer dans la vidéo avec tous les secrets du jeu. Il sera à 100%. Avec toutes les vidéos avec tous les secrets, même le secret le plus dur à avoir. Il faut aller par ici. Il y a un chemin par là. Il faut monter. Ah, ici c'est un vrai labyrinthe. Je déteste les labyrinthes comme lui. Lui, je le déteste. Je le connais vraiment pas par cœur parce que je viens pas souvent ici. Donc... j'ai repensé ici. Je sais que je dois trouver quelque chose. La cabane, ça va te servir d'un point de repère. Je peux vous montrer qu'est-ce qu'elle a, la cabane. C'est une source d'eau chaude. Seulement ça. On peut le tuer si vous voulez. Mais il marchera plus. Enfin bon. Bon, mon point de repère, c'était la cabane. On va aller chercher le nouveau effet, le nouvel effet qui est dans ce coin ici. La serviette de main. Oups, j'ai accroché mon micro. Serviette de bain. On est malade. Enfin. Ok, l'autre effet, il est assez spécial. Faut le savoir. Ok, parce qu'ici c'est un couloir à l'infini. Mais il y a un moyen pour l'enlever. Faut aller par le nord, par ici. Il trouve une certaine place. Ok. Il faut passer comme ça. Ou comme ça. Ok, j'ai trouvé. Fallait passer par un peu, comme ça. Comme je l'ai montré, il faut vraiment passer par l'intérieur, sinon on va se retrouver perdu. Comme vous voyez, ben on peut appeler ça un désert si vous voulez, là. Mais il est plus à l'infini. Mais si je repasse comme ça,
Et voilà, elle est finie. Mais si je repasse comme ça, il n'est plus à l'infini. Faut continuer à chemin. Des petites choses, si vous voulez, mais. Des petites plantes vivantes. C'est un petit village. Ben, enfin, c'est un petit village parce qu'il y a des murs, mais c'est pas ça. Ok. Je sais que c'est dans ce coin ici. Rarement ici parce que on y va juste ici pour deux effets puis après on n'en revient plus dans le jeu, donc je connais pas le chemin par cœur. Aïe, aïe. Ça risque d'être long comme chemin. Ok, c'est par là et voilà, je me suis trouvé. On s'en va dans une nouvelle place bientôt. Et oui, on monte. On peut voir le magnifique paysage. On s'en va dans le jardin du ciel. Et oui, on s'en va dans le jardin qui existe seulement dans un ciel. Le jardin du ciel. Conseil, pour monter plus vite, prenez votre... bicyclette parce que sinon ça risque d'être long à monter. C'est quand même un assez long couloir là. Vraiment long. Et voilà, nous sommes arrivés à Scar Guardian. Oh. Qui se téléporte tout le temps. On peut la tuer, mais c'est difficile. Mais c'est pas là que je vais aller. C'est par là. Ah, vous avez vu? Il y a une petite affaire qui volait. Déjà. Elle est encore là. Magique. Juste ça à dire. Ben. C'est ça là. Ça c'est ça. Mais bon. On va rentrer ici. Ok. Il faut parler à la première plante. Et revenir. Seulement la première. Vous avez vu? C'est plus rouge. Et nous voilà dans une nouvelle place. Encore dans une nouvelle place. J'allais vous dire dans quelle merde je me suis mis. Hein? Ben, je suis pas dans la merde, je suis juste dans un labyrinthe. Et voilà. Regardez, c'est le même fantôme que tout à l'heure, mais à la place, il y a un œil rouge. Un foulard triangulaire. Ok. Le flot triangulaire est utile dans le jeu parce qu'il permet, tu sais, les femmes oiseaux qu'on voit dans le jeu qui nous poursuivent, s'ils nous capturent, ben, ils nous enferment dans une pièce, il nous permet de nous mettre invisible. Fait que quand on fait 1, ils peuvent plus nous voir. Donc, ils peuvent plus nous courir après. Mais bonjour toi. Donc c'est ça. On se réveille. Bon,
c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit pour la prochaine vidéo. Je dirais que deux autres vidéos, cette vidéo-là, plus une vidéo avec les secrets, ce serait bon, je pense, ça serait fini. On aurait fait le tour du jeu et on aurait aussi la fin. Donc, je pense que je vais faire la vidéo avec la fin, si j'ai assez le temps pour la prochaine. Et après, je ferai comme une vidéo bonus secret pour le jeu. Et je continuerai sûrement pour parler en détail de certaines choses que je n'ai pas encore parlé. Parce qu'il reste beaucoup de choses, beaucoup de théories qui restent dans le jeu que je n'ai même pas encore abordé. Il y a aussi un des personnages les plus importants que j'en ai pas encore rencontré et on ne risque pas de le rencontrer parce qu'il est pas important. Ben, il est important, mais il est pas important. Selon les théories, il serait important, mais sinon, il est pas important dans le jeu. Je veux dire qu'il va pas nous donner un effet. Mais selon les théories, il reste important. Il risque d'être très important. Et aussi, ces personnages ont fait en sorte que le jeu soit plus connu. Donc, dans la prochaine vidéo, je risque de sûrement finir le jeu. Et les prochaines à venir, ça risque d'être des vidéos bonus sur les théories et les secrets du jeu. Donc, je vous laisse sur cette belle petite musique.